Dark and Light, et comme prévu, en compagnie de Attis, qui court dans tous les sens. Salut à toi, comment vas-tu? Ah bon, ça va. Alors, donc on a commencé un petit peu, on a notre feu de camp là-bas, et du coup on a eu une petite mésaventure avec une faucheuse. On s'est fait buter, proprement, parce qu'elle était niveau 100... Enfin, 100 et des patates, je crois, un truc comme ça. 106. Ouais, voilà, 106. Et du coup, on a croisé un squelette en chemin, donc on a décidé de se farcir le squelette. Enfin, d'essayer de se farcir le squelette, du moins. Qui doit être par là. On va bien rigoler, je pense. Il est où, ce con? Ah bah, t'as vu ce qu'il vient de faire? On va pas pouvoir y aller. Il s'est cassé la gueule de la falaise, cet abruti. Il est tombé de la cascade. Là, c'est un lapin. Ouais, il est tombé en bas, ce con. Moi, je descends pas. Avec le loup de tout à l'heure, non, je descends pas. Vous. Faut être suicidaire. Et du coup, les météorites bleues, là, tu sais quel niveau faut être pour les ouvrir ou pas? 5, 6, peut-être. Ah ouais. Ah, je suis bientôt niveau 5, c'est con. Oh, la faucheuse, elle est là-bas, je crois, encore. Putain. Bon, attends, j'essaie de me faire du mouton. Niveau 40. C'est abusé, ça aussi. Niveau des mobs, quoi. Hop, voilà. La bouffe, on s'en fout. On a ce qu'il faut par le moment. Ils fuient tous. Ne fuyez pas, petit mouton. Je vais vous trucider pour augmenter d'un niveau. Allez. Mais 10 ans pour tuer un mouton. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on défonce un squelette, sans déconner. La faucheuse est pas là. Oui, si, je vous ai pas précisé, les gens, mais on est sur un serveur public, hein, totalement, un officiel. Donc, il n'y a pas de boost d'XP, de TAM, de quoi que ce soit. D'ailleurs, on a trouvé deux maisons de joueurs bien sympathiques. Enfin, une surtout, hein, qu'on voit de là, d'ailleurs. Le mec s'est fait une bonne petite forteresse bien sympatoche. Et en même temps, vu ce qu'il y a dans le coin, on comprend pourquoi, n'est-ce pas? Alors. Putain, c'est long de monter en level. Ah, c'est ça les... Ah non, c'est pas cela que je te disais que... Quand je les avais vus, je me suis dit, oh la vache, est-ce que c'est agressif ou pas? Ah, c'est plus gros que ça encore avec v'là la mâchoire... Une grosse mâchoire. Je sais plus comment il se... Ah bah oui, il y en a un bestiaire. C'est vrai. Bestiaire. Je sais plus comment il s'appelle. Des kebos. Je sais pas si ça te parle, mais... Ça m'augmente rien là, le fait de faire ça, d'accord. Super. Bon, voilà, j'ai pété ma première hache. Putain, j'ai plus rien qu'augmente moi, mec. J'ai plus aucune. Aucune compétence, quoi que ce soit, qu'augmente là. Survie, moi. Mais à l'épée, quoi, faut le faire. Bah, moi, elle augmente même pas parce que faut que je sois niveau 5 pour que ça augmente. Bah, non, j'ai plus rien. Faut vraiment que je sois niveau 5, quoi. Punaise. Y'a pas un mouton dans le coin. C'est cruel, mais bon, tant pis. Ah, j'ai pété mon épée maintenant. Voilà. Ah si, j'ai ma magie de l'eau qui augmente.
Magie de l'eau, bah c'est les soins, donc tant mieux. Et ça doit être chaud à tuer, ça. À notre level. Ah, pas forcément, il est niveau 8. On tente? Autant. Le longicorne. Ah, il porte bien son nom, en tout cas. Vas-y. Ah, baston. Aïe, c'est parti. Ah, bah, easy! Bah voilà. Comment tu fais tes trucs chargés, toi? Ah bah oui, clic droit, c'est vrai. J'y pensais plus. C'est vachement puissant. Bah oui, j'y pensais plus. Bah tu m'étonnes, j'ai tapé du 25, tu faisais du 50, toi. Ah oui. Même pour récolter, c'est vachement plus rapide. Oh, j'ai pris deux niveaux. J'ai pris deux niveaux, le fait de le tuer. Non, trop bien. Ah, nice. Ah ouais, nickel. Ah bah c'est bon. Putain, tu es un niveau 8. Ah bah, heureusement qu'il était que niveau 8, quoi. Ah merde, je me trompe, c'est pas ma hache qu'il me faut. C'est ma pioche. Alors du coup, hop, ça, la pierre. Je jette, ça je jette. Ça, je jette, on en aura plus tard, ça on va le manger. Pour augmenter notre concentral. Là j'essaye d'augmenter rapidement ma magie du feu pour avoir la bouboule. On va essayer de l'avoir assez vite. Comme ça. Ouais, ça va être bon. Voilà, nickel. Je l'ai. Alors, on va crafter deux, au cas où. Ben non, remarque, tu peux te la faire, toi, la boule de feu, ou pas? Pas encore. Pas encore? Ah ouais, t'es niveau 4, toi. Bah, comment ça se fait? On a commencé en même temps, pourtant. Du coup, qu'est-ce qui serait pas mal d'augmenter aussi? Bah les armes de G, du rotin, de la pierre. Du rotin et de la pierre, bah je fais que ça, ramasse. T'as une gaine, la carrière. Où? Face à moi. En face de toi? Ah ouais. Ah vas-y, je m'en fous, j'ai le sort boule de feu. Donc là par contre, elle a passé un sale moment. Hein. Ah, sauf si j'ai des lags. Elle est où cette garce? Ah ouais, elle est là. Chargé! Ouais, niveau 36. Hein. Elle est à fond sur un lapin. Tiens, bim. Oh yes, GG. Ah, t'as dû bien monter en niveau là, toi. Ah, j'ai pris un level, niveau 5. T'as pris qu'un niveau? Alors que le machin de tout à l'heure, il m'a fait prendre deux niveaux, quoi. C'est abusé. C'est nawak, ce jeu, sérieux. Ah non, merde. Ah, je tape avec l'épée, il me faut du rotin. Je sais plus si c'est la pioche ou le... ou la hache, peut-être. Bon, en tout cas, les chiens, t'as dépecé la vache. Ah non, c'est bon. Ah bah rien, t'as pris qu'un niveau, quoi. C'est abusé. Je sais pas, moi je me serais... Enfin, je me suis dit qu'en groupe, comme ça, on se prendrait un peu plus d'XP, enfin plus rapidement, du moins, quoi. Ah, y a plus de bois dans le feu. Oh merde. J'ai mis du bois rare, en plus, moi. C'est ça, le rotin, je crois. Fourrure, paille... Peau. Bah oui, mais c'est en anglais qu'ils disent rotin. Alors, rotin en anglais, ça donne quoi? J'en sais rien. Ouais. Tac, je fous tout mon bot. Non, peut-être pas tout. Remarque. On va se calmer. Allumer le feu.
tout fabriqué, allez hop. Si tu veux de la viande, hein, y a ce qu'il faut. On va prendre ça. Allez. Là, il pleut, c'est nice, on n'a pas besoin de boire. Ça, c'est parfait. Si je te dis qu'il y a masse bouffe, j'en ai plein sur moi et tout, il y en a plein dans le feu encore, et mon bonhomme est en train de crever de faim. C'est le mec trop logique, quoi. Qui ne mange pas. Arme secondaire. Ça, c'est nouveau, par contre. Arme secondaire, non? C'est pour le bouclier, je crois. Ouais. Ah oui, bah c'est pas nouveau, alors. Bon, voilà, il y a un stack de sang quasiment dans le feu. Comme ça. Allez. Ah, le rotin, c'est la ficelle. Putain, d'accord. Si t'en as beaucoup, il faut que tu prennes la pioche. Ouais, c'est ce que je fais. Aïe, on peut commencer les constructions, camarades. Ah, il n'y a plus de pioche. Et c'est encore. Ok, alors les amis, voilà, on a avancé un peu, du coup, dans l'aventure, entre guillemets, on a pris en niveau, mais on a surtout pris en, comment appeler ça, en craft, on va dire, en amélioration, tout ça, on a commencé à construire notre maison, comme vous pouvez le voir, on a vu les choses petites, et du coup... va falloir que qu'on avance surtout la baraque, qu'on fasse vraiment les doubles murs, tout ça, parce qu'il y a de la panthère qui traîne un tout petit peu dans le coin, il y a de la hyène aussi, et du coup faut vraiment qu'on fasse la baraque pour être vraiment à l'abri. Faudra qu'on se fasse des lits également pour pouvoir bien évidemment dormir. Pour le truc de la concentration là. Alors les lits, je sais plus dans quoi c'est. C'est dans survival. Sauf que faut être niveau 10. Et encore, c'est pas des lits, c'est des sacs de couchage. Faut être niveau 10. Voilà. Faut être niveau 10. Et survivre en 2. Bon, ça c'est. Voilà. Survivre en 2, moi c'est pour bientôt. Je vais bientôt pouvoir faire des coffres. Ça c'est cool ça. Faire des coffres. Ah, je peux mettre un mur là. J'ai pas mis de fondation là pourtant. Ah bah si, j'en ai mis une là. Si, j'en ai mis une là. Ah bah voilà, je peux fabriquer des coffres. Ah, ça va aider ça par contre, parce que j'en ai marre d'être plein comme pas permis. Pourquoi je peux pas réparer ma hache? Parce que j'ai pas de paille. Ah. La paille, les gens, c'est la vie. Hein. Ça, vous avez pas de paille, vous pouvez pas survivre dans le jeu. Et du coup, je vais récupérer notre feu de camp là-bas. Je vais chercher tout ce qu'il y a dedans et ramener tout ça là. Il n'y a pas de fond là. De quoi? Et on peut pas mettre de fond. Du coup, on va être obligé de mettre un mur comme ça. On peut pas mettre en double. Ouais. Ah, mais ça se trouve, c'est parce que. Pour comment ça se fait? Il y a bien une fondation là où je suis là. Ben, je la vois. C'est un bug. Ah putain, c'est relou. C'est relou ça. Ouais. Bah, si on peut. Ah, regarde. Voilà.
Tu as bien qu'on peut. Non, bah oui, ouais, moi ça voulait pas. Ah ouais. C'est chelou ça. Ah oui, alors putain, j'ai remarqué un truc, les gens. C'est que la porte, faut vraiment pas être plus grand. Hein. Parce que comme vous pouvez le voir, ça nous recoiffe à chaque passage. Par contre, là où j'ai un doute, c'est de ce côté-là. Ouais. Ouais, bah non. On est obligé de faire comme ça. Parce que je peux pas mettre de mur ici. Fait chier. Donc, est-ce que ça nous récupère des ressources? Ouais. Hop, voilà. Et la fondation, je voudrais... Hé hey, la fondation. Ah, j'ai une option augmenter le rang de gestion de la maison. Ouais, je sais pas. Vu que c'est la première fois que je joue en multi, bon, je vais aller chercher notre feu de camp là-bas. Oui, je vous ai pas dit, mais stratégiquement, en fait, on s'est mis là. Comme ça, on est proche de la ville principale de départ. On est dans une zone où il y a très peu de mobs agressifs. Dont on va pas pouvoir en être maître, si je puis dire. On a beaucoup de bois à disposition, on a de la pierre, on a la rivière juste à côté, donc du coup on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'emplacement, si je puis dire. Et moi je ne peux plus rien porter, je vais crafter des coffres. Parce que là c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je suis à 160 en poids pourtant, mais je suis blindé. Est-ce que je peux fabriquer des coffres? Oui, je peux en fabriquer 5. On va peut-être pas en fabriquer 5. En fabriquer 2 déjà. Je pense que ça pourrait être pas mal. On les met où? Les coffres. Là. Attends, je suis en train de voir si je peux construire parce que ça. Ah bah oui. Ah, je peux pas les poser, voilà. Eh merde. Il peut pas aller. Ah ouais, bah moi non plus. Bon bah on met on n'a pas le choix quoi. Voilà, on met ça là, comme ça. Ah merde! Désolé. J'ai été trop vite. Du coup, bah, la fondation, on va la péter, telle qu'elle est là. Parce qu'elle sert à rien. Ouais, mais au pire, après, pour l'étage, on peut s'agrandir avec les plafonds, tout ça. Ouais, aussi. On peut s'agrandir après, hein, donc au pire, ça, c'est pas trop grave. Du coup, les coffres, je les mets où? Je les mets là, dans ce coin-là, là, par là. Ouais, comme ça, oui, ça c'est un petit coin, ouais, ça ne sert à rien. Pour pas que ça prenne trop de place. Mais pourquoi à chaque fois ça marche pas ça? Ah, mais non, mais c'est vrai, on est sur Dark and Light. On n'est pas sur Ark. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se décharger un peu. Ça, pour le moment, on n'a pas besoin. Ça non plus, ça je m'en fous. Hop là, ah bah ça, ouais, ça sert entre guillemets. Les pommes, bon, faut les garder les pommes pour le tam des herbivores. Oui. Ce sera très utile. C'est la fourrure rare, on s'en fout pour le moment, on n'a pas besoin. Ah oui, du coup, il y a beaucoup de viande dans le coffre. Hein. Si tu veux de la viande, moi j'en ai déjà 25 sur moi, il y en a 33 encore dans le coffre. Le four a bien tourné. Du minerai, ça je vais les garder sur moi, ça. Voilà, déjà, c'est pas mal. On est pas mal. Je peux fabriquer 14 murs. Je vais en faire 6 déjà.
Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Nous, on va, je pense, bah, de toute façon, on va continuer un peu la construction de notre maison, le farm des ressources. Et on fera en sorte que bah, pour la prochaine fois, on commence l'étame de bébête. On va essayer quand même. Il faudra se préparer des petites flèches et tout. Puis on sera du tam de. Bah, de. Je sais pas. On verra de ce qu'on trouve, hein. T'en penses quoi, toi? Sanglier, ouais, pour commencer. Ah ouais, sanglier, ouais. Eh, ça m'étonne qu'on en ait pas croisé encore, quand même. Parce ouais, qu'on a croisé les machins cornus, les hyènes. Bon, les moutons, les lapins, ça, il y en a partout. Mais on n'a pas trouvé de sanglier. Ouais, enfin bon. Bon, bah, en tout cas, les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci à toi, Atis, du coup, bah, pour... m'accompagner dans cette aventure, ça fait plaisir. On se sent moins seul en fait, c'est plus agréable de jouer à plusieurs, surtout sur des jeux de survie de cette ampleur en fait. Parce que c'est devenu assez chaud maintenant hein, de jouer en solo. Donc voilà. Bon bah en tout cas merci à toi Atis et vous les amis, on vous dit à la prochaine. Bye bye.